plaît. Ha. Oh, je suis ici avec l'homme que tu avais demandé. Oh, je suis ici avec lui. Toi, hein? Qu'est-ce que tu lui avais dit? Oh, s'il te plaît, dépêche-toi. Oh, et Zibowanem, mon amoureux de mari, le meilleur mari du monde, celui dont je te parlais, Mac. Je te présente ma bien-aimée sœur Oloma. C'est bien. Elle est aussi belle. Oh, merci. Oui. Non. 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 C'est quoi le problème avec elle? Mais je te demande. Oloma, pourquoi avais-tu peur de mon homme? Et avant que tu me dises tes sales visions que tu as vues sur mon homme, hein, tu n'as qu'à te faire foutre. J'ai dit que je refuse un découragement venant de toi. Alors la ferme. Ma soeur, est-ce que tu peux m'écouter? Tais-toi! Arrête ça! Arrête-moi tes visions. Je sais combien m'a coûté pour que Mac accepte de m'épouser. Alors n'essaye pas de le gâcher. N'ose pas! N'importe quoi. I do not mean to cause you pains. One name more. I do not mean to offend you. One name more. Okwano kodima. One name more. One name more. Okwano kodima. La grande prêtresse, je vous salue. Bonjour, mon nom est Oloma et non la grande prêtresse. Je suis désolé. J'étais en train de partir maintenant chez toi. Je suis un homme d'affaires basé à Lagos. Je viens tout juste de rentrer dans cette période festive. Et je vais maintenant rentrer à Lagos. Mais je vais d'abord savoir si les routes sont en bon état. Hein? Tu sais, non? Tu sais comment les routes sont mauvaises. Je voulais juste savoir si je pourrais arriver là-bas en sécurité. Et la très grande, je voulais aussi que vous puissiez vérifier pour moi si mon futur est assuré, s'il te plaît. Je ne suis pas ton dieu qui montre aux gens le chemin. Alors tu t'adresses à la mauvaise personne. Mais la grande prêtresse, qui t'a énervé ce matin? Arrête de m'appeler la grande prêtresse. Arrête de m'appeler comme ça, s'il te plaît. Est-ce à propos de l'argent? Je vous paierai tout ce dont vous demanderez, peu importe. Hey, l'argent n'est pas un problème. Regarde, en fait, hein, je ne sais pas si tu as déjà pensé à ce qu'on puisse faire de ça une petite affaire. Donc tu commenceras à parler aux gens de l'infitu et tu commenceras à gagner l'argent. Tu vas gagner l'argent. Tu gagneras beaucoup d'argent. J'ai même la volonté de payer. L'argent n'est pas un problème. Regardez-moi, regarde. Tu ne me connais pas et je ne te connais pas. Alors excusez-moi, je vais au champ. Mais qui l'a énervé ce matin? J'espère qu'elle n'a rien dit à ce propos. Ça veut dire quoi ça? Mbano, je ne peux pas la laisser me décourager. C'est bien. Je ne sais pas pourquoi elle agit comme ça à chaque fois que tu lui présentes un homme. Nim, tu te rappelles encore de la fois dernière? Je suis sûre que Victor n'allait pas du tout me tromper sans que ma petite soeur ne puisse faire une vision sur lui. Oh, oh, oh! Je me souviens, quand il avait dit, il avait fait toutes sortes de rêves le concernant. Ha! Je sais comme lui dont j'ai gâché pour que je retrouve aujourd'hui mon Mac. Et maintenant, elle me raconte des bêtises. Mais je n'écouterai même pas ce qu'elle va me raconter. J'étais très convaincue qu'elle n'allait pas du tout l'accepter. Des fois, je me demande si cette fille est vraiment ta sœur. Si elle n'était pas de ton sang, j'allais dire qu'elle était jalouse de toi. Parce que j'ai l'impression qu'elle veut prendre tout ce qui te revient. Mais tu n'as même pas à dire ça. Oui, parce que c'est très clair avec moi. C'est très clair qu'elle n'aime pas du tout mon bonheur. Tout ce qu'elle préfère, c'est le brisement de mon cœur. Tu sais quoi? Je ne lui permettrai pas. Peu importe le pouvoir qu'elle possède, ça n'aura pas d'impact sur moi. Amen, oh, amen. Je me demande pourquoi tout le village croit à ces histoires sordides. Hein? Parce que quelquefois, c'est comme le passé, oh. Mais ça n'arrivera plus jamais. Jamais pour Mac.
Mac. Mac est un homme bon, je te dis. Ok. Oloma, honnêtement, je ne suis pas contente avec toi. Comment peux-tu garder ce genre de choses pour ta sœur? Hein? Comment pouvais-tu? C'est pas juste. Ogechi, est-ce que tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Je voulais lui dire, mais elle m'a dit de me taire. Qu'est-ce que j'allais faire? Ben non, même si c'est ça, c'est une question de la vie et de la mort. Hein? Elle doit connaître le destin de cet homme. Elle doit le connaître. Comment peux-tu forcer un cheval de boire l'eau de la rivière qui lui ne veut pas? Oloma, Oloma, est-ce que tu réalises ce que tu dis sur ta propre sœur? Réalises-tu que nous parlons de ta sœur après la mort de vos parents? Est-ce que tu les réalises? Hein? Ogechi, tu dis comme si tu ne connaissais pas ma sœur. Elle est très têtue et tu le sais aussi. D'ailleurs, j'ai même oublié de lui dire. Personne ne va faire du mal à ma sœur si ce n'est que son fameux fiancé. Écoute! Si elle est au courant, elle saura ce qui va arriver dans l'avenir. Hein? Elle doit savoir que dans peu de temps, elle va perdre cet homme. S'il te plaît, Oloma, hein? Dis-lui ça. S'il te plaît, tu dois les lui dire. Hein? Oloma. Oh. Tu ne veux pas m'écouter? Je te dis que je ne suis pas la grande prêtresse. Je ne le suis pas. Bien. Je pense que je connais de quoi il s'agit. Ok, bien. Je pense que ceci pourrait signifier beaucoup pour toi. Monsieur, je ne sais pas la raison de cet argent et je ne l'accepte pas. Pardon, pars. Va-t'en avant que je ne crie. S'il te plaît, calme-toi. Je voulais juste connaître l'avenir de mon père qui est malade. S'il te plaît. J'ai presque dépensé tout ce que j'avais sur moi. Et là, le docteur continue à demander de l'argent. Je voulais savoir si c'est important de continuer à dépenser. Ou bien ça serait mieux que... Je me prête déjà pour ce funérailles, s'il te plaît. Si tu veux organiser les funérailles de ton père, qu'est-ce que j'ai à voir dans ça? Et arrête de me déranger. Ah! Tu veux dire qu'il va mourir? S'il te plaît, dis-le-moi, non? Je viens d'un village très lointain, s'il te plaît. Dis-le-moi, s'il te plaît. Mais c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? C'est clair que ta sœur ne m'apprécie pas. Oh bébé! Est-ce un problème? Écoute, tant que je suis très bien avec toi, elle peut tout faire, je m'en fous. Mais je ne reconnais pas avoir eu un problème avec elle dans le passé ou bien l'avoir vue quelque part. Oh bébé, s'il te plaît. Oublie à propos de ma sœur. Elle peut bien être la seule sœur que j'ai, mais certainement pas la seule famille que j'ai. J'ai déjà parlé à tous mes oncles. Il reste juste que tu partes là-bas et que tu finalises tout. Sérieusement? Ouais. Je pense que je pourrais le faire déjà oh demain. Oh bébé. Fais-le s'il te plaît, parce que je suis très impatiente. Je t'aime énormément. Tu peux déjà imaginer tout ce que je suis déjà en train de ressentir. Je le sais, d'accord. Devine quoi? Est-ce que je peux te donner un rendez-vous? Ça dépend de ce que tu as dans ta tête. Bien sûr, tu sais ce que je peux faire. Tu sais que je t'aime aussi. Allez, viens là. Je savais que tu allais choisir. Bébé, s'il te plaît, arrête. Arrête. Hein, mon amour? Arrête. Thank you.
grande sœur. Tu penses que je ne peux dire des choses qui ne peuvent que te causer de mal et de tristesse? Ifi, tu es ma sœur et mon sang. Cela m'importe peu. Si tu es réellement ce que mes parents m'avaient dit. Je ne comprends rien. Oloma, j'ai été informée que tu es ma sœur lorsque je t'avais vue entre les mains de maman lorsqu'elle était retournée de l'hôpital. On me l'avait dit et je l'avais accepté. Nous avons grandi ensemble, nous deux comme des sœurs, jusqu'à présent. Ma sœur, rien n'a changé avec moi. Tout de toi a changé. J'ai bien dit tout. Surtout depuis que tu as commencé à côtoyer ces gens-là. Grande sœur, les choses que j'ai vues dans le futur de cet homme-là, c'est vraiment terrible. Il va mourir dans peu de temps, grande sœur. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne savais pas comment te le dire. Je ne voulais pas briser ton cœur. Mais c'est la vérité. Il va mourir, ça c'est certain. Il n'y a rien que toi et moi puissions faire. Son destin est déjà tracé. Excuse-moi, grande sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux savoir si tu as des habits sales pour que je lave pour toi. Comme tu le vois, je suis prête pour l'église. Je pars parler à mon Dieu qui est plus grand que le démon que tu sers, qui te remplit souvent des visions démoniaques, hein? Je connais le Dieu que je sers. Je connais qu'il ne permettra pas qu'un mal arrive à mon homme. Mais grande sœur... Je ne suis pas ta sœur. Je ne suis pas ta sœur. D'ailleurs, je suis claire et toi, tu es noire. Alors, je ne m'appelle plus jamais ta sœur. Toi, messagère du diable. Reste loin de moi et de mon homme. Reste loin de nous avec tes visions éhontées. Je veux réellement me marier à Mac. Et rien du tout ne lui arrivera. N'importe quoi. Je pensais qu'elle avait cru à ce que j'avais dit. Je lui ai au moins dit. Ah, tu ne devais pas réagir de cette façon. Mais, la nouvelle s'est répandue qu'il y a des gens qui viendront ici chez vous. Pourquoi? J'ai reçu un message de Igwe me demandant d'aller au palais. Je ne suis plus intéressée au Getchi. Oloma, as-tu oublié que ce cadeau que tu as été donné par les dieux de notre terre? Tu as été choisie, rappelle-toi. C'est pour l'enfer que ce cadeau a été donné. Tout ce dont ce cadeau est représenté, c'est comme une malédiction. Oloma, de quoi parles-tu? Oui. Je ne suis même plus amie avec ma propre sœur. Juste à cause de ces cadeaux que Dieu m'a donnés. Attends d'abord. Tu l'avais déjà dit? Je l'ai fait. Et je n'ai pas arrêté de lui rappeler cela. Ah. Tout ceci, ça sent toujours mauvais. Je n'ai même pas de réponse pour ça. Pourquoi Dieu s'incruste dans le sort de gens? Pourquoi les gens ne peuvent pas décider de leur propre sort? Pourquoi je dois voir toutes ces choses? Je ne veux plus voir de choses pour personne. Oloma, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne t'ai jamais vu dans cet état depuis que je t'ai connue. As-tu oublié combien de gens bénéficient de cette grâce? As-tu? Tu as sauvé ta sœur d'entre les mains d'un méchant. As-tu oublié? Je ne vois que pour elle les hommes qui n'ont pas de futur. Est-ce que tu as vu mes parents? Ils sont morts en ayant un très mauvais sort. Comment je peux me sentir? Oloma.
Ce cadeau ne fait que m'apporter le malheur. Augmenter la souffrance. Oloma, ça suffit. Hein? Je n'utiliserai plus jamais ces dents. Oloma, pourquoi peux-tu dire cela? Arrête ça, je comprends ce que tu ressens. Hein? Désolée. I do not mean to cause you pains. Wanemo. I do not mean to offend you. La très belle femme. Bébé. Oui. Je voulais te demander. C'est quoi ça? C'est quand la dernière fois que tu as vu un médecin? Un docteur? Pourquoi devrais-je voir un docteur? Je ne suis pas malade. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux juste dire partir pour un check-up. Ok. Je ne vais seulement voir un médecin à l'hôpital que lorsque je suis malade ou bien lorsque j'ai essayé de produits locaux et que ça n'a pas marché. C'est à ces moments-là que je peux avoir un docteur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien du tout. Il n'y a rien. Rien, chérie. C'est juste pour me rassurer que tu vas très bien, mon bébé. Bébé, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Tu peux te confier à moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. Je veux juste être une femme attentionnée que tu veux épouser. Oh, c'est vrai, mon bébé. Je t'aime énormément. Je sais que tu m'aimes aussi. Tu as toujours un œil sur moi. Je t'aime énormément. Merci. Devine quoi? Il y a une place spéciale où je vais t'emmener spécialement aujourd'hui. Mais avant ça, tu n'as qu'à déposer ça. Je sais. Allons-y. Ah, mais tu connais très bien ta sœur. Tu ne devais pas aller lui dire. Tantine, comment pourrais-je rester silencieuse? Tu devais d'abord m'en informer. Et à mon tour, j'allais trouver un moyen pour aller lui dire. Même créer une histoire pour la faire fuir près de cet homme. Je n'avais pas d'autre choix que de lui dire. Je ne savais pas qu'elle allait réagir de la sorte. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle ne me parle même plus. Ok. Je vais parler avec elle. Si je suis ici, c'est parce que beaucoup de gens se sont plaints auprès de moi. Mais disons que je n'exerce plus la divinité. Pourquoi? Tantine, je ne veux plus jamais deviner les futurs de gens. En tout cas, je suis fatiguée, j'abandonne. Tu abandonnes? À cause de ta sœur? Très bientôt, elle va réaliser que tu avais raison. Hein? Et cela n'est pas une raison pour toi de ne plus exercer ton don divin. Pas du tout. Que le Dieu garde leur don. Je suis plus intéressée. Je ne veux pas voir ma sœur avoir le cœur brisé pour une deuxième fois. Pourquoi je ne peux pas voir de bonnes choses pour elle? Pourquoi Dieu me montre que les choses négatives la concernent? Pourquoi? Tantine, j'étais même sur le point de t'inviter ici. Oloma n'est plus celle que je pensais être pour moi. Alors je veux qu'elle parte. Tu veux chasser ta sœur de la maison de ses propres parents aussi? Je suis sa sœur aînée. Nos défunts parents n'avaient pas eu de garçon. Cela fait de moi héritière de leur bien. Elle doit partir d'ici, parce que rester avec moi, elle ne fut que me causer de la peine. Vraiment, c'est ce que tu penses? Tu n'as même pas honte? Héritière, mon œil. Tu ne peux pas dire ça à ton propre sang. Biko. Elle n'est pas mon sang. Oui, elle n'est pas mon sang. Comment est-ce qu'elle peut se considérer mon sang? Mais elle marche contre moi. Mais souhaitons que le malheur. Quand est-ce qu'elle verra quelque chose de bien pour mon futur? Pourquoi c'est toujours les malheurs pour moi? Elle t'a juste dit ce que le Dieu lui a montré. Tantine Biko, elle a fabriqué elle-même. Je n'ai jamais fabriqué quelque chose pour quelqu'un. Et je ne peux pas commencer avec ma propre sœur. Ma sœur, je te souhaite le meilleur. Non, c'est faux. Et je le sais très bien. Tantine, Biko. Encore une fois, Biko. S'il te plaît, emmène cette fille avec toi. Sinon, je me chargerai d'elle, oh. Dis-lui de rester loin de moi. J'ai l'averti, oh. Je suis très sûre que tes parents sont déçus de toi. Tu dois avoir un sens humain. Elle est ta jeune sœur. Tu es supposée prendre soin d'elle. Ah ah! Il faut m'accompagner tes pas.
Je t'avertis, contrôle tes pas. Sinon, cette famille va disparaître. Tantine, je veux me marier à Mac. Et personne ne l'empêchera. Même pas les dieux. Hey, mon amour. Je crois t'avoir dit de ne plus jamais venir ici. Ah. Tu m'avais dit que tu n'aimais pas comment je m'habille, que je paraissais pas sérieux. C'est à cause de ça que j'étais parti au marché pour changer tous mes habits. Juste pour pouvoir bien apparaître devant toi. Et là maintenant, t'es en train de me chasser. Tu sais très bien de quoi je parle. Ok. Est-ce à cause de ta position comme étant l'oracle de Dieu? Mais ça ne t'empêche pas de tomber amoureuse, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais je t'ai dit que j'ai déjà vu comment cette relation s'est terminée. Ça ne va pas marcher. Mais je t'ai déjà juré que je ne vais jamais te tromper. Oh, Ebuka. Tu ne vas jamais me tricher. C'est quoi alors le problème? Hein? Mais c'est quoi le problème? Est-ce que tu n'es même plus assez? Oui, bien sûr, je t'aime. Pourquoi aimer un homme qui va bientôt partir? Moi? T'es quitté, toi? Je ne veux jamais t'es quitté. Je jure sur c'est la tombe des mains. S'il te plaît. Oui, tu vas partir. Cela va vraiment se réaliser. Mais ça sera pour ton bien. Parce que ton oncle est en train de préparer un bel avenir pour toi en ville. Mon oncle, c'est vraiment amusant. Parce qu'aucun de mes oncles ne m'aime. La seule chose dont ils se préoccupent, c'est juste leurs enfants et rien de plus. Tu sais avec moi que ce n'est pas vrai. Mais tu vas comprendre ça. Rien ne peut me faire changer d'idée pour toi, Oloma. Et jamais je ne pourrai te laisser pour quelque chose ou pour quelqu'un. Tu ne peux pas arrêter ces choses. Personne ne peut. S'il te plaît, va-t'en et ne reviens plus jamais. Oloma? Oloma? Oloma, je t'aime. Oloma, je t'aime et je continuerai toujours de t'aimer. Et rien ne pourra jamais le changer. Je jure sur la tombe de ma devinte mère que je n'arrêterai jamais de t'aimer. Tu es celle que j'ai choisie et rien ne pourra l'arrêter, Oloma. Je t'aime, Oloma. 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 Alors s'il se fait que ma sœur a raison, comment est-ce que je veux dire à Mac qu'il va mourir? Hey, Mba, ça ne va jamais se passer. Il ne va pas mourir. Mon Dieu ne le permettra pas. Il va vivre pour accomplir les promesses de Dieu dans ma vie et rien ne va l'empêcher. Je n'ai jamais vu quelqu'un défier ma sœur depuis qu'elle a commencé à avoir ses visions. Mais il est temps que je puisse le faire. Ce que tu crois, c'est ce qui va aussi t'arriver. Aucune arme sur mon homme. Aucune arme. Je sais que tu es derrière le fait que ma soeur ne puisse pas me croire, Tizoba. Je suis vraiment surprise que ça t'a pris du temps pour le réaliser, toi qui t'es dit que tu as le don de la clairvoyance. Pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? Tu sais que je veux le meilleur pour ma sœur. C'est de la même manière que je t'ai venue auprès de toi pour te demander juste une petite faveur. Dis-moi justement mon oncle qui était malade s'il allait mourir ou bien de la situation de mon père. Tu sais ce que tu as fait? Tu m'as fait planter et tu as refusé. Parce que c'était du mensonge. Ton père l'avait prédestiné. Quoi? Cela ne se fera jamais, alors jamais. Tizoba,
Nous n'avons pas de pouvoir face à la mort et au destin. Alors je suis désolée. Si c'était ça, j'ai toujours l'espoir que mon père se remette de sa situation. Je veux que tu le prennes en considération parce que je suis sa seule fille. Ma chérie, fais que cela se fasse. Je ne dirai pas les choses que le Dieu m'a montrées. Observe-moi comment je vais détruire la fine et petite relation qui te reste entre toi et ta sœur. Écoute, est-ce ma sœur qui t'a raconté toutes ces bêtises? Non, s'il te plaît, tu dois me croire. Ta sœur n'est même pas au courant de cette conversation. J'ai entendu que tu vas dire qu'il va rendre la vie de ta sœur misérable. C'est ce que j'ai bien entendu d'elle. C'est la première fois que tu m'approches pour ce genre de bêtises. M'as-tu entendu, toi, une menteuse? Ça suffit! On y a assez laid. Si tu t'inquiètes beaucoup pour ma sœur, dis-lui de rester loin de moi et de mon homme. Qu'elle reste loin! Ifi, c'est ce que j'ai entendu, oh! Ifi! C'est ce que j'ai entendu, oh! Hein? Ifi! Non! C'est clair qu'elle est en train de me mentir. Elle est peut-être en train de fréquenter déjà une autre personne et je dois le découvrir. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle? Et au lieu de me donner une chance, elle continue toujours à me donner des excuses banales. Je m'en fiche de ce que le Dieu lui a montré à propos de moi. Et ce que je sais, c'est que je l'aime. Et je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce qu'elle deviendra mienne. Je dois découvrir qui est cette personne qui commence à la changer d'idée et qui commence à prendre ma place. Oloma, c'est compliqué, oh. Tout fier à quoi? J'étais ignorant que j'ai seulement été très méchante. Hi! Je ne suis pas choquée, parce que je le sais déjà. Avais-tu parlé à ta sœur? Tu m'as dit que tu lui as parlé, non? Elle ne t'a pas cru, tu penses qu'elle va me croire? Tu ne devais qu'elle lui dire. Sérieusement, j'ai cette conviction que tu as la clé pour stopper tout ça. Oui. Je ne peux pas non plus stopper Max. Manem, as-tu pensé à la possibilité de mettre Asanda dans cette relation amoureuse? Déjà? Laisse-moi te dire. Qui est là? Hey, salut. Bonjour. Oui, Oloma, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Ok, mais est-ce que ta sœur est là? Non, elle n'est pas là, mais tu peux entrer l'attendre. Ok, c'est pas un problème. Je pourrais revenir après un moment alors. J'insiste. Vous savez, ça sera un honneur d'avoir un bon monsieur comme beau-frère. Personne ne t'a jamais dit comment tu es sexy et très beau. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis le copain de ta sœur. Son futur mari. Ah ah! Cela ne m'empêcherait pas de pouvoir admirer comment tu es sexy et très beau. Je m'en fous même si elle rentrait. Arrête ça! Arrête ça! C'est clair que tu es saoulé, mouillé. C'est pourquoi tu refuses que je puisse épouser ta sœur? Et tu es malade! Écoute, j'ai tiré à ta sœur tous les détails de ce que tu as dit. Et tu es folle! N'importe quoi! Toi, c'est avec tes cheveux qui sont durs. Me faire mal? Désolée. Désolée. Je pense que tu dois la chasser de la maison. Pourquoi? Bon, j'ai déjà pensé à ça plusieurs fois. Regarde, tu dois maintenant réaliser ces projets. Si tu me demandais,
Tu dois faire très attention avec elle avant que les démons la possèdent et faire réaliser ses visions. Regarde, Ify, il faut que tu ne sois plus jamais lié à elle. Sinon, tu vas partager sa malédiction. Attends, tu veux dire que ma sœur est maudite? Ah, ah. Est-ce que ce n'est pas si évident, hein? Non, dis-moi. Mais c'est quel genre de sœur qui ne souhaite que des mauvaises choses pour sa propre sœur, hein? Elle est vraiment diabolique. Tu as raison. Tu sais quoi? Je la mettrai hors de cette maison et subir les conséquences. Regarde, si tu te déranges pour ton oncle, il ne va rien faire. Ah, ah! D'ailleurs, cette maison t'appartient. Tu sais très bien que ta décision ne sera pas contestée. Ma chérie Ify, tu dois faire ça le plus tôt que possible, Léo. Ma chérie, tu as raison, Léo. Sérieusement, je mettrai ces affaires dehors. C'est mieux, Léo. Avant que je ne puisse faire partir de sa malédiction. Désolée. C'est mal. Oh, bébé, dis-moi, tu proviens d'où comme ça? Je viens de chez toi et ta soi-disant sœur, Onoma, si c'est quoi, elle est folle. Folle? Oui. Je ne comprends pas. Tu sais, j'étais partie chez vous pour te voir. Avant que je... Elle a commencé à me séduire. Quoi? Oui. Est-ce que tu peux l'imaginer? Si je ne la connaissais pas mieux, je dirais qu'elle est soit saoulée ou qu'elle est folle. Mais je sais qu'elle savait clairement ce qu'elle était en train de faire. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu veux dire ma sœur Onoma t'as séduit dans ma propre maison? Rentre à la maison et va lui demander. Qu'est-ce que ça veut dire, non? Qu'est-ce que signifie toutes ces bêtises? Je ne sais pas. Hein? Onoma, t'as séduit? Aïe! I do not mean to cause you pains. One more, one more. I do not mean to offend you. One more, one more. Okwano kodima. One more, one more. Okwano kodima. The best for you, one day more. Don't allow anyone turn your. Est-ce que tu te rappelles de ma cousine, celle dont je t'avais parlé l'autre fois lorsque je revenais du. Non, celle dont je t'avais dit qu'elle devait s'excuser auprès de toi. Ok, ah, oui, je me souviens. Là. D'accord, ouais, ah. Tu t'es bien rappelé. Ah oui. Où ma soeur est hontée que je cherche? C'est toi? C'est pas ton défi? Ah, ma soeur, regarde, ne parle! Lève-moi! Ah!
sorcière. Sorcière, ne pas ça. Vivi, servante de Satan. Voilà ce que tu es. Aujourd'hui, Vivi, qui est aussi. Voilà ma fille, Vivi, non. Sors de chez moi. Ify, si tu ne me fais pas ça. Je dis ça. Pardon, ma soeur. Ify, pardon, ma soeur. Ne me fais pas ça. Je ne sais pas où aller. Donc, tu as eu le culot. Tu as eu le culot de séduire mon homme. Attends, oh. C'est la raison pour laquelle tu m'avais dit qu'il va mourir. Pour que je le laisse pour toi, n'est-ce pas? Non, je ne voulais pas faire ça. Peux-tu la fermer? Tu es méchante. Oh, je regrette pour toutes les fois que j'ai eu à t'écouter. Et tu sais quoi? Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. Je te montrerai que cette maison m'appartient. Ma sœur, s'il te plaît, je t'en prie. Je ne sais où aller. Où est-ce que tu veux que j'aille? Ça m'est égal. Je m'en fous. Tu peux choisir où tu veux aller. Mais plus du tout dans cette maison. D'ailleurs, nous avons des oncles et des tantes. Alors tu peux aller chez l'un d'eux et rester là-bas pour toujours. Mon mariage avec Mac va marcher. Avec ou sans toi. Allez, laisse-moi. Ify. Ah, ah. Tu, qu'est-ce qu'il y a? Ify, tu dois venir avec moi, je vais dire maintenant. Ah ah, pourquoi? Je ne sais pas. C'est Marco. Quelque chose de pas bien lui est arrivé. Il y a des gens qui disent qu'il est mort, je suis pas sûre. Il est quoi? Je suis pas sûre, juste... Viens non, 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 c'est pas possible, non. Je sais que tu es amoureux de Oloma. Tu sais quand quelqu'un se décide de donner son cœur à quelqu'un d'autre. Ma chère, Oloma m'appartient. Et elle continue toujours à m'appartenir. Je ne sais pas où est-ce que tu as pu avoir toutes ces informations. Fou! Oui, c'est ce que tu es. Regarde. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je me dérange autant de te dire tout ça. Mais tu dois arrêter de penser que Oloma t'appartient. Du reste, ces moments allaient être très profitables pour vous deux. Je commence à remarquer du sérieux dans ce que tu es en train de dire. Attends, est-elle maintenant en train de me quitter? Je sais combien d'années ça t'a prise justement pour construire votre relation, même si elle ne te rend pas la vie facile. Mais ce qu'elle compte te faire, tu ne le mérites pas du tout. Alors si j'étais toi, j'allais arriver au bout de mes objectifs pour ne pas permettre que ça arrive. Toi, mauviette. Ça ne va jamais arriver. Jamais. I do not mean to cause you pains. One more. I do not mean to offend you. One more. Oh, quando cadi ma. One more. J'aurais souhaité que tu saches comment je suis touchée par tout ce qui t'arrive. J'aurais souhaité faire n'importe quoi pour arrêter tout ça. Dégage près de moi. Ma sœur. Ne m'appelle pas ainsi. N'ose pas. Tu sais que je peux t'étrangler moi-même et il n'y aura personne pour te sauver. Tu ne peux pas arrêter tout ça. Je suis désolée. Oh. Hein? Tu es désolée? Tu es désolée d'avoir poussé mon homme à la mort? Tu ne me souhaites que le malheur. Et maintenant, tu as encore réussi à me ravir mon bonheur. Oloma, tu vas souffrir. Moi, Ifoma, je te verrai souffrir jusqu'à ta mort.
Je ne peux pas croire que tu es en train de me dire ça. Tu auras en retour tout ce que tu as souhaité pour moi à 100%. Et moi, je serai le témoin de ta souffrance. Ifi, tu penses que c'était facile pour moi d'essayer de faire séduire ton fiancé? Je peux même pas me le pardonner. Mon Dieu, par quel moyen j'allais te stopper de ne pas épouser un homme qui était destiné à mourir? Ça suffit! T'as une prostituée éhontée. Je ne veux plus te voir dans cette maison à partir de demain. Seigneur, aide-moi. Je vais te tuer moi-même. Et tu ne les verras pas dans tes visions que tu fais. Ifi. Ọkwa n'ụkọ dị mma nwanne m nwanne m ọkwa n'ụkọ dị mma nwanne m nwanne m I want the best for you nwanne m. Don't allow anyone turn your heart against me. Silence! Si seulement tu criais, je t'étranglerai jusqu'à la mort. Je suis maintenant venu prendre ce qui m'appartient de droit en couchant avec toi. Maintenant bouge. Et pourquoi qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu peux fermer ta bouche? Maintenant bouge! J'ai dit bouge! Ebuka, s'il te plaît. Est-ce que tu peux fermer ta bouche et n'essaie même pas de faire quelque chose parce que je vais te poignarder. Allez, bouge. Pardon. J'ai dit bouge. Ebuka, s'il te plaît, je t'en prie. Allez, tu t'es avec moi. Ah! Onoma. 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 J'ai encore Ichoma. C'est quoi son nom? Ichoma. Celui qui fréquentait l'université. N'importe quoi, l'université. A-t-elle l'air de quelqu'un qui est à l'université? Vraiment? Regarde même sa façon de s'habiller. Hein? T'es dommage pas pour cette personne. Je l'ai vue l'autre fois en route. Elle était en train de marcher comme ça. Pour quelqu'un qui vient de la ville, nous, on est ici au village. Regarde comment je m'habille. Elle ne saura pas se mesurer à toi. Elle ne pourra pas. Ne te dérange pas pour cette fille. Non, ne la suis pas. S'il te plaît, avant que je n'oublie, est-ce que tu as acheté l'habit en question? Non, pas encore. Je suis en train de chercher d'abord. Comme tu ne le fais pas, moi je vais acheter le mien. Oh. Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, c'est quoi le problème? Réveille-toi. Non, mon ami, s'il te plaît. Arrête de faire ça. J'ai une confession à te faire. Hein? Je suis désolée. Je suis désolée de tout le mal que je t'ai fait. Ah, s'il te plaît, parle-moi. Vas-y, parle-moi. C'est à cause de moi si tu ne t'entends pas très bien avec ta sœur. J'ai juste haï ta sœur parce que je lui avais demandé de me rendre un service et elle avait refusé. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que tu as demandé à ma sœur qu'elle n'a pas voulu faire? Dis-moi. Chizoba. 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 Hey.
Oloma. Oloma. Oloma Wanem. Biko. Oloma. S'il te plaît, Dieu, merci. Tu es vivant. Biko. Hé. Hey. Wanem. Hé. Hey. S'il te plaît. Dieu, merci, tu es en vie. Dieu, merci. Ifi. Hein? Ifi. Hein? Il a essayé de me violer. Je sais, je sais. Chizoma vient de confesser avant sa mort. Elle est morte? Oui. Cette sorcière est morte. Je ne crois pas que c'était elle qui ne voulait pas que nous puissions nous entendre. Là, je me blâme moi-même. Je me blâme pour l'avoir écoutée. Je me blâme d'avoir permis à la colère de me diriger de cette façon. J'avais détruit notre relation. Je suis tellement désolée. Ifi, elle ne nous a pas séparés. Parce que je suis toujours là. Et je suis désolée pour tout. Non, c'est moi qui suis désolée d'être celle qui était mauvaise à ton égard tout ce temps. J'ai honte de moi-même que je n'avais pas pris soin de notre maison. Nos parents t'avaient laissé à ma charge, s'il te plaît. Pardonne-moi, ma petite sœur. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, s'il te plaît, la fille de ma mère.